Bonjour à toutes et à tous. En ce 8 mai 2020, nous célébrons l'armistice de la fin de la guerre 39-45 et la signature le 8 mai 1945 de la reddition des Allemands. Une guerre s'était terminée et nous devons rendre hommage à toutes les victimes, toutes, qu'elles soient civiles, qu'elles soient des forces armées. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur un périple jusqu'en Normandie, lieu de débarquement des troupes du général Leclerc, la 2e division blindée. Le char numéro 30, le Sherman M4A2, dénommé Normandie, était le premier qui entra bien des mois plus tard, à Strasbourg. Ils étaient en colonne, en attente. Ils s'attendaient à une forte résistance des Allemands. Mais ils purent rentrer dans Strasbourg. Le Sherman fut en fin de compte, ce char, le deuxième à rentrer dans la ville, après une petite reconnaissance de quelques hommes avec une Jeep. Le serment de coup frappe put enfin être utilisé et réalisé. Ce serment qui disait tout simplement « Nous aurons vaincu lorsque nous arriverons à la cathédrale de Strasbourg et y ferons flotter le drapeau français. » Gardons en mémoire tous ceux et celles décédés pendant les conflits armés.